ça dure parce que plus ça va faire. Et du coup, le gagné disparaît très rapidement. Là, elle est en train de voir, elle veut passer une ceinture, alors je ne sais pas exactement dans quelle discipline, elle est en train de voir quels sont les élèves qui ont une ceinture supérieure à la sienne et qui pourraient l'aider. Donc il y a un tutorat qui se met en place grâce à ces ceintures-là, et il se met en place, je ne vais pas dire tout seul, mais pas loin. Parce que ça, c'est des choses que je n'ai pas forcément institutionnalisées, qui sont allées faire d'eux-mêmes. Et un jour, on en a discuté dans un moment de regroupement, mais pourquoi vous allez voir le tableau des ceintures pour trouver quelqu'un qui va nous aider. Ah, et comment tu fais pour trouver quelqu'un qui va t'aider? Ben, je prends quelqu'un qui a une ceinture plus haute que la mienne. Pourquoi? Je suis pénible. Pourquoi? Ben, s'il a cette ceinture, ça veut dire que lui, il a fait ce que moi, j'essayais de faire. Et ça veut dire qu'il l'a réussi, donc il sait le faire. C'est une logique implacable. Donc c'est une des composantes essentielles des ceintures de compétences, ça va être de mettre en place du tutorat derrière. Et là, on a une visibilité sur toute la classe, tous les domaines. Nous, on a une visibilité dessus. Eux, ils ont une visibilité dessus. Et par le biais du porte-vue, qui est plus en détail, du coup, eux, ils ont leur visibilité. Les familles l'ont aussi, puisque ces porte-vue, ils rentrent à la maison tous les soirs. Donc c'est ce que je disais. Repère guide pour l'élève, famille enseignant, et un outil pour l'entraide, la coopération et le tutorat. Est-ce que je peux vous interrompre? Ah. Vous avez été prévenu? Mettre un fil à la patte, oui. Ok, mais merci, oui. Excusez-moi. Pourquoi je tiens? De marge de manœuvre? Ah, bon. Alors, avec quels outils on met ça en place? Alors, au préalable, il y a quand même une organisation, on va dire, pour mettre ça en place qui est assez conséquente. Donc il y a l'élaboration de ces référentiels-là. Donc je vais vous les faire passer si vous voulez les regarder. Il y a donc dans toutes les disciplines, alors français, maths, parce que pour tout ce qui est histoire, science, découverte du monde, je fonctionne avec un autre système qui est plus approprié. Ils ont donc ce référentiel-là, avec quand même quand on l'ouvre, on se dit mais le tableau de compétences, c'est un truc de fou, ils ne vont jamais se repérer dedans. Et pourtant si, parce que la graduation en ceinture fait qu'ils ont des rails, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais aller chercher des items en ceinture marron s'ils sont que ceinture jaune, puisqu'on ne peut pas aller, on peut pas passer la ceinture verte si on n'a pas la ceinture orange, puisqu'il y a une progression. Donc dans l'élaboration de ce référentiel, il y a toute une réflexion sur comment on va élaborer la progression. Alors au démarrage, on pense forcément on va monter en difficulté. Et là, on tombe vite sur un os, parce que la difficulté, ça ne fait pas tout. Et on se dit qu'en fait, ce qui va être intéressant, ça va être la complexité. Parce que une des questions qu'on m'a posées au début, on m'a dit « Oui, mais dans ta ceinture jaune, tu as conjugué les verbes du premier groupe en conjugaison, conjugué les verbes du premier groupe au présent. » Mais j'ai perdu le fil du coup. Oui, mais ceinture orange, si on met le futur, qu'est-ce qui me dit qu'il va continuer à maîtriser le présent? Et là, c'est intéressant aussi. Donc du coup, dans la ceinture, alors je dis de mémoire, mais c'est peut-être une bêtise pour donner un exemple. Dans la ceinture jaune, on va avoir le présent des verbes du premier groupe. Dans la ceinture orange, on va avoir le présent et le futur. Et à chaque fois, on va ajouter en complexité, pas forcément en difficulté. Pas forcément des trucs qui vont être très compliqués, mais rajouter à chaque fois des connaissances. Donc là-dessus, ils se repèrent assez facilement puisqu'il y a cette progression-là. L'autre outil, ils ont un deuxième porte-vue qui lui est plus un portfolio dans lequel ils gardent trace. Alors ça, je vous expliquerai ce que c'est le plan de travail. Ils gardent trace de toutes les fiches, et quand c'est des fiches, parce que tous les items ne sont pas sur fiche, mais quand c'est des fiches, ils gardent une trace de tous leurs exercices. Et donc là, il y en a un par période, on a par semaine tous les travaux qui ont été effectués par l'élève.
Et il se repère dans ses travaux, lui, grâce à, je vais y arriver, grâce à ceci, et ça je vais vous en parler juste après. Donc, on a dit le référentiel de compétences, qui est là, le portfolio, et les outils et les repères numériques, vous le voyez sur la photo, parce qu'il existe des méthodes, j'ai rien inventé, hein, les ceintures de compétences, donc je vous disais, c'est Fernand Houry, hein. Il existe des méthodes avec des énormes classeurs remplis de fiches que les élèves vont photocopier pour aller se chercher telle ou telle fiche de validation. Moi, j'ai pris le parti, comme j'utilise beaucoup le numérique, de tout mettre sous format numérique. Et donc, ils y ont accès grâce à des tablettes. Donc, ils vont se chercher la tablette, chercher le champ disciplinaire, la fiche qu'ils veulent faire, ils se l'impriment et après ils la remplissent. Donc, je vais venir sur du concret. Je vous ai fait des vidéos, je sais que là c'est un peu flou. Je vais concrétiser ça. Puisque le thème de IDOS c'est repenser le temps et l'espace, on va parler de l'organisation dans le temps. Et donc là justement, je vous ai fait une petite vidéo. J'ai mis avec une GoPro, j'ai équipé un de mes élèves d'un harnais, je lui ai mis la GoPro. Comme ça, vous allez voir exactement ce que lui, il voit quand il s'organise sa semaine, puisque ce sont les élèves qui s'organisent leur semaine. Ils ont, lui, donc l'élève que vous allez voir, Maël, il a 7 ans, il est en CE1. Donc je vous montre la vidéo, puis après vous me bombardez de questions. Je ne dis rien pendant. Alors, il n'y a pas de son par contre, mais il n'y a pas forcément besoin. Si, je vais commenter un peu quand même. Donc là, il a le fameux référentiel de compétences dans les mains et il est en train de choisir les items qu'il va vouloir valider dans la semaine. Donc ça donne ça. Oui. Donc ça, ce sont des phases qu'on réalise le vendredi après-midi, en début d'après-midi généralement, pour prévoir pour la semaine d'après, et qui durent environ 30 minutes. Voilà, donc là on en est arrivé au lundi. Donc retour après le week-end. Ils ont chacun une tablette. Non, il y a 10 tablettes dans la classe. Donc là il est allé chercher la fiche qui va lui permettre de prouver qu'il maîtrise l'item qu'il a choisi dans son plan de travail. Alors là c'est une autre élève du coup. Là pour vous montrer comment elle va aller imprimer le document en question. Donc là il y a la tour de rangement en fait des 10 tablettes. Oui, je remettais en place. Et donc moi j'ai le temps de boire mon café, hein, comme vous pouvez voir. Non, mais on sourit, mais ils sont d'une autonomie. Du coup, c'est impressionnant. Il y a des phases de classe pendant une bonne heure. Je pourrais ne pas intervenir. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps à les observer. Pas pour me tourner les pouces, mais parce que du coup, c'est des choses qu'en théorie, on n'a pas le temps de faire. Les regarder faire, parce qu'on est toujours dans le rush, dans l'urgence.
Et moi, je les regarde faire, je les écoute entre eux, j'essaie de me faire discret, de qu'ils m'oublient, et je les écoute discuter entre eux. Des fois, ils m'apprennent des choses, ils trouvent des astuces ou... C'est impressionnant. Et donc, de les regarder, ça m'aide énormément. Donc là, voilà, elle a choisi sa fiche. Hop. Ils s'entraident beaucoup. Eh oui, justement. C'est parce que du coup, c'est les ceintures les poussent à ça, finalement. Puisque le but du jeu, c'est pas de gagner ces ceintures. Le but du jeu, c'est de progresser, en fait. Et je pense qu'avec ce dispositif-là, ils ont cette notion-là, ils ont réussi à comprendre cette notion-là, c'est que le but du jeu, c'est de progresser. C'est pas de savoir tout faire, mais c'est de progresser. Et quelque part, c'est rassurant, puisqu'ils savent que de toute façon, ils ne pourront pas revenir en arrière, on ne peut pas perdre sa ceinture. La ceinture est faite en sorte qu'une fois qu'elle est validée, techniquement, il n'y a rien que pourrait faire l'élève qui pourrait prouver qu'il finalement ne la maîtrise plus. Ou alors c'est une erreur de ma part à moi. Et là, c'est autre chose. Mais voilà. Donc là, par rapport à... Du coup, j'ai parlé. Par rapport à cette vidéo, il y a des choses qui vous ont interpellé, des choses qui vous posent question. Là, ils choisissent leur plan de travail, mais après, quels sont les outils qu'ils ont pour apprendre justement pour... Alors, le reste de ma classe est très traditionnel. C'est-à-dire que l'apprentissage, ils apprennent des choses seuls ou entre eux, si on est d'accord. Mais je reste encore un petit peu indispensable. Et j'ai des séquences. On en revient à ce que je disais au début. J'ai mes séquences, j'ai une programmation, comme vous, avec mes séquences, avec tant de séances, etc., que je prévois dans l'année. Je fais mes séquences. La chose qui diffère, c'est que l'évaluation, elle peut être immédiate. Si l'élève a maîtrisé la notion, mais elle peut être différée. On en revient à la petite dont je parlais au début. Elle l'a suivi, la séquence avec nous sur le sujet. Elle a entendu, elle a pris ce qu'elle a pu dedans, mais je ne vais pas lui demander de la valider maintenant. Par contre, alors là, c'est là où rentre en jeu la remédiation, et le tutorat va aider beaucoup aussi, puisque moi, j'ai que deux bras. Et là, je me fais plein de petits assistants. Finalement, je me dédouane pas des apprentissages, mais pour des petites choses toutes simples, y a un gain de temps qui est quand même assez énorme avec le tutorat. Et parfois, les explications d'enfants entre eux, elles sont bizarrement plus claires que nous. Alors le truc qu'on s'est réfléchi pendant 2 heures, essayer de trouver la bonne formulation, et eux avec un truc que nous on comprend pas forcément, ils arrivent à se l'expliquer entre eux. Donc ça, ça fait partie des mystères que j'ai pas encore élucidés, mais... Mais sinon, oui, non, la programmation, elle est assez classique. Donc ça, c'est vraiment les phases de plan de travail. Et alors justement, voilà, le fameux plan de travail. Donc, c'est vous qui m'avez posé la question tout à l'heure, savoir si c'était eux qui le remplissaient. C'était vous. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il est assez étudié, je l'ai beaucoup modifié. Parce que même au fil de l'année, les comportements évoluent, donc c'est pas toujours adapté. Donc vous avez ici une colonne mathématique, une colonne français. Ici j'ai regroupé anglais, EPS, art, sciences, tout ce qui se valide par brevet en fait, pas par ceinture de compétences. Et là c'est tout ce qui est exposé, facultatif, qu'ils peuvent mettre aussi dedans, les dictées, la lecture. Et le point central en fait, finalement, le plus important, c'est ce qu'il y a ici. Alors vous voyez pas bien, mais c'est le degré d'autonomie. Et ça aussi, c'est... Sans ça, je ne pourrais pas fonctionner. Il y a 5 degrés d'autonomie. On part tous au degré 0. En début d'année, on est tous au degré 0. Je réalise les travaux que le maître a inscrits dans mon plan de travail. Parce qu'au début, ils ne connaissent pas le fonctionnement, ils ne peuvent pas l'inventer, je ne vais pas leur demander d'être autonome comme ça en arrivant le premier jour de l'année. C'est moi, les 3 premières semaines, qui fais tous les plans de travail. Ce qui veut dire que ce sont des plans de travail identiques pour tous. Puisque de toute façon, on est en début d'année, c'est que de la révision des années précédentes. Et que je n'ai pas forcément encore identifié des élèves qui auraient besoin ou pas. Mais de toute façon, ils partent tous de la ceinture blanche. Donc il va bien falloir commencer quelque part. Et ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Une fois que ça avance un petit peu dans la première période, il y a des profils qui émergent. Il y a des élèves qui de suite vont capter le truc. Ils vont
sur leur temps libre, ils vont regarder un petit peu ce référentiel, ils vont se dire, tiens, mais ça, je sais faire. Et il y a des choses qui vont émerger. Il y a, quand je vais donner les plans de travail, il y a, maître, pour passer la ceinture jaune en conjugaison, je voudrais faire ça parce que je pense que je sais le faire. Et donc ça, c'est un signe super intéressant, c'est-à-dire, donc, lui, je vais commencer à pouvoir lui mettre un niveau d'autonomie plus haut parce qu'il a compris comment ça fonctionnait. Alors, il n'est peut-être pas encore tout à fait capable d'identifier ce qu'il sait faire ou ce qu'il ne sait pas faire. Mais déjà, il a la démarche. Donc, dans un second temps, il y a le degré 1. Donc, c'est le maître ou un tuteur qui m'aide à valider, à remplir mon plan de travail. C'est-à-dire que là, pour la première fois, je leur donne un plan de travail vierge. Le premier était pré-rempli, celui-ci est vierge. Donc, je peux soit moi aller lui dire, écoute, ça, je pense que tu sais le faire. Ça, à ton avis, tu penses que tu sais. Ça, on l'a vu l'autre jour, etc. Et commencer à guider. Et par contre, c'est toujours moi qui imprime les fiches quand c'est des travaux sur fiches, parce que sinon, c'est vite le bazar au début. Là aussi, il y a un apprentissage avec la tablette pour aller imprimer la fiche qu'on veut. Si on les laisse dès le départ faire, il y a des feuilles qui volent partout. Donc ça aussi, petit à petit. Degré 2, là, je choisis mes évaluations seules. Donc là, pour le coup, c'est tiens, ton plan de travail il est vierge. Et moi, je n'interviens pas dessus, c'est toi qui vas choisir ton programme pour la semaine prochaine. Je continue à imprimer. Degré 3, c'est le premier stade vraiment autonome, c'est-à-dire qu'on remplit seul, on s'imprime ses fiches, on se débrouille. Et j'ai rajouté en cours d'année les degrés 4 et 5, parce que, pareil, n'ayant pas 6 bras, j'ai vu des attitudes chez les élèves qui m'ont fait dire que, tiens, je pourrais leur donner encore plus d'autonomie et de responsabilité. En degré 4, ils peuvent aller former leurs camarades à s'imprimer les fiches, ce qui m'évite moi d'avoir à faire, parce que quand c'est différent, ça fait un paquetasse de trucs à imprimer et puis c'est très très long puisque tous les plans de travail sont différents. Et degré 5, le degré ultime, je peux même aller aider mon camarade à choisir et à remplir son plan de travail, donc le vendredi soir. Donc là, encore une fois, là par contre, il faut quand même que l'élève il ait des. Comment dire qu'il ait la faculté de pouvoir poser des questions à l'autre en lui disant est-ce que ça, tu penses que tu sais le faire? Parce qu'il ne peut pas savoir à sa place. Donc là, c'est un degré quand même assez élevé. Il n'y en a pas beaucoup des degrés 5 pour l'instant. Ce qui est intéressant aussi. Une remarque qu'on a pu me faire, on m'a dit vous leur demandez 5 ou 6 items selon le niveau, mais qu'est-ce qui empêche un élève de remplir les 4 cases en mathématiques et de se mettre une poésie et de ne pas faire de français? Rien ne l'en empêche, rien du tout. Alors on me dit mais à ce moment-là il va faire que des maths. Eh ben non, c'est là que justement les ceintures deviennent intéressantes, c'est-à-dire que un élève qui, par exemple, c'est le cas dans ma classe, a des difficultés de lecture. Et donc, forcément, tout ce qui est français, grammaire, c'est compliqué pour lui. Se rabat sur les maths. Parce qu'en maths, ça lui parle plus, les nombres, ça va. En plus, il est à l'aise en maths. Et du coup, pendant toute la première période, quasiment, que des maths. Donc, deux effets. Qui se coule ou pas qui se coule. Le premier... Valorisation. C'est-à-dire que cet élève-là qui se sentait pas bon parce qu'en lecture, il n'y arrive pas, il sait qu'il est bon dans quelque chose. En maths, il a avancé, ses copains ils viennent lui demander de l'aider pour les maths, alors qu'avant, il était plus ou moins considéré comme un cancre. Donc, il est valorisé dans quelque chose qu'il sait faire. Deuxième, alors là, c'est l'effet qui se coule par contre, arrive un moment, et... Même s'il est doué en maths, on n'aura peut-être pas vu les notions. C'est-à-dire, s'il veut passer sa ceinture, on va apprendre à poser la division, par exemple, et qu'on n'a pas fait la leçon, ça va être difficile de ce qu'il se l'invente tout seul. Et donc, forcément, il va être obligé, entre guillemets, de se rabattre sur du français. Mais, comme il y aura du temps qui se sera écoulé, que moi, j'aurai travaillé avec lui aussi, et qu'il va partir de la ceinture blanche en français, il va commencer par des items qui vont lui paraître simples, et petit à petit, on avance. Donc, en fait... Tout s'équilibre. On laisse le choix. J'ai envie de dire que c'est presque une illusion de choix parce qu'au final, il y a une espèce de mécanisme avec ces ceintures qui fait que l'équilibre se fait au fur et à mesure. Mais quand même en gardant cette valorisation, parce que
on est tous doués pour quelque chose. Alors, il y en a, c'est de la poésie aussi, par contre. Ils se bouffent le référentiel de poésie, puisque ça aussi, ils se le gèrent en autonomie. Il y a un référentiel avec les poésies, ils peuvent s'en mettre une ou deux par semaine. Alors, deux, c'est rare quand même. Mais voilà, c'est des élèves qui ont une très très bonne mémoire, qui à la maison, avec papa et maman, ils se sentent à l'aise dans la poésie, bah, ils ont une ceinture élevée en poésie. Donc il y a vraiment cette valorisation, et c'est pas une valorisation factice, c'est pas tiens mon petit, bon t'as du mal, allez je vais te mettre la gommette verte ou je vais te colorier la case en vert pour t'encourager. Non, c'est vraiment véritablement des choses qu'ils savent faire, et c'est là où la différenciation, elle est pas, c'est pas une différenciation bisounours, dans le sens où les tâches, elles sont les mêmes pour tout le monde. C'est pas, j'ai pas fait un truc plus facile pour machin parce qu'elle est en difficulté. Quand elle aura sa ceinture, elle aura fait la même tâche que les autres. Elle l'aura peut-être pas fait en même temps. Elle l'aura peut-être fait bien après, parce qu'il aura fallu le temps que ça mûrisse, il aura fallu le temps qu'elle comprenne le principe. Mais elle aura fait la même chose que les autres. Et là, pour moi, on a vraiment différencié. Pour moi, on a vraiment différencié. C'est bon sur le plan de travail ? Il y a des choses qui... Vous me dites, hein ? Donc c'est un par semaine. Après, il y a plein de façons de faire des plans de travail dans ce système-là. Il y en a qui font sur deux semaines, certains sur le mois aussi. C'est un peu chacun qui voit son organisation. Moi, ça me parle plus sur la semaine. Voilà, les tâches de la semaine articulées autour du plan de travail. L'organisation dans l'espace. Hop. Et non, pas dans l'espace. Dans les espaces. J'aime bien faire des petites animations comme ça. Je m'amuse sûrement. Donc il y a deux types d'espaces. Les espaces physiques, donc on fonctionne en îlot, donc c'est quand même assez propice pour le tutorat. Et puis dans la classe, vous allez voir, j'ai filmé un petit peu comment ils travaillent sur des temps, voilà, des temps de ce que j'appelle travail personnel, où ils s'occupent de leur plan de travail, ils avancent, ils font leurs exposés ou des projets qu'ils ont lancés. Et vous allez voir que l'espace, il se prête beaucoup à la discussion, et on revient aussi sur voilà, l'histoire du nombre de tablettes. Il n'y a pas une tablette par élève, parce que moi je trouve que les moments les plus intéressants avec les outils numériques, quels qu'ils soient, mais en l'occurrence ceux-là que j'utilise, c'est quand ils sont plusieurs autour et qu'ils discutent entre eux et qu'ils argumentent pour telle ou telle solution. Parce que finalement, quand on a un outil chacun, bah, on s'enferme un peu dedans, il n'y a pas d'interaction, et c'est moins riche en explications. Donc les espaces physiques que je vais vous montrer, et les espaces numériques. Alors je vais aller assez vite parce que c'est pas le plus fun. Donc les espaces physiques, j'ai les îlots. Vous allez avoir un gros espace de regroupement et de mise en commun. Qui est inspiré très fortement de ce qu'on voit en maternelle, en fait. Moi, j'ai commencé les deux premières années, j'étais en maternelle, et en fait, il y a deux ans, je me suis dit, mais ce coin regroupement, même avec des plus grands, il me manque. Et donc, vous allez voir qu'il y a un bon sixième de la classe où il y a un tapis, un banc, et on s'assoit, on discute, on travaille. Il y en a même qui travaillent allongés dessus. Bon, je ne suis pas très à cheval sur la façon dont ils se tiennent pour travailler, du moment qu'ils travaillent et qu'ils font ce qu'on leur demande. Enfin, ce qui est attendu d'eux, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Il y a un vidéoprojecteur et donc des tablettes. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble à un moment de... Alors ce que j'appelle dans l'emploi du temps, travail personnel. Donc ce moment où ils peuvent soit bosser leur plan de travail, soit mener à bien des projets qu'ils ont lancés et qui sont plus ou moins facultatifs. Donc alors il y en a qui sont en train de travailler sur papier, il y en a qui sont en train de travailler en groupe autour d'une tablette. Là, la petite, elle est en train d'enregistrer une poésie. Là au fond, ils sont en train de débattre sur voilà, comment ils vont expliquer dans la vidéo sur je sais plus trop quoi, comment ils vont se mettre au point pour expliquer ce qu'ils veulent expliquer. Donc il y a plusieurs, voilà, les espaces, ils sont pas figés. On se déplace. Alors ils ont une place attitrée à cause du
Si j'avais le mobilier que je voulais, ils n'auraient pas de place attitrée, mais le problème, c'est que voilà, j'ai des tables avec des casiers, j'ai pas de, suffisamment de place, la classe n'est pas très très grande pour mettre un grand meuble dans lequel chacun aurait son casier. Mais dans l'idéal, si je pouvais, il n'y aurait pas de place attitrée et puis on pourrait bouger, mais là, ils bougent déjà pas mal. Hop. Alors, les espaces numériques, moi j'utilise un espace. Alors, j'ai choisi d'utiliser un espace collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Comment dire, d'identifiant, un mot de passe par élève. Il y a un espace commun. Alors, moi j'utilise Evernote, mais il y en a qui font avec Google Drive, avec Dropbox. Cet espace, il est donc commun à tous. Il n'y a pas besoin d'identifiant pour rentrer sur les tablettes, ils y vont dessus. Pour tout ce qui est contenu, alors on va dire, je ne sais pas le bon mot, mais sensible, c'est-à-dire quand tu leur mets par exemple les fiches pour s'imprimer les évaluations, ça me mettrait les boules s'ils les supprimaient, on va dire. Donc j'ai trouvé une petite astuce pour bloquer en lecture. Donc il y a une partie des documents de cet espace-là qui est uniquement qui est en lecture seule, et d'autres parties qui peuvent être modifiées, qui peuvent déposer. Ils ont un carnet par gamin, mais qui est ouvert, c'est-à-dire que les copains peuvent aller voir dans le carnet, etc. Il n'y a par contre pas de documents confidentiels, il n'y a pas d'évaluations qui sont stockées dedans, il n'y a pas de photos d'élèves reconnaissables, il n'y a pas de nom de famille, il n'y a aucune info sur les gamins. Moi j'ai fait ce choix-là parce que au quotidien c'était le plus pratique, on va dire. Question technique, oui. Deux gamins même. C'est pas gênant, ça fonctionne, il n'y a jamais eu de conflit. Pas de conflit. Les conflits, ils sont quand on travaille à deux sur le même fichier, justement. Oui. Donc, ils ouvrent et ils travaillent sur deux tablettes différentes. Ouais, mais c'est rare en fait qu'ils travaillent sur le même document. Parce que, alors oui, on peut faire de l'écriture collaborative comme dans les Google Docs, etc. Sachant qu'ils sont dans la même pièce, je vois pas trop l'utilité de les faire bosser sur deux tablettes sur le même document. S'ils sont amenés à ouvrir ce document parce que ça intervient à ce moment-là dans le cadre de travail, par exemple. Alors là, comme c'est des fichiers en lecture seule, il peut pas y avoir de conflit parce que c'est non modifiable. Donc c'est l'avantage, tous les fichiers sensibles, voilà, que je ne veux pas qu'ils soient supprimés ou altérés par mes gardes, je les ai mis en lecture seule. C'est ceux où il y a le petit icône rouge. En fait, je me sers de mon compte à moi, je fais un partage de carnet, et dans les permissions, on peut mettre la personne à qui on a partagé peut modifier ou lecture seule. Et là, c'est en lecture seule. Comme ça, au moins, je suis sûr. Comme ils font leur dictée autonome aussi, elles sont enregistrées en audio à l'avance. C'est pareil, ça, c'est les autres années, j'avais eu voilà, des fichiers supprimés par mes gardes, mais c'est même pas fait exprès. Hein. Ils ont appuyé sur ou posé le coude en même temps qu'ils écrivaient sur leur cahier. Et donc, il faut tout remettre. Et c'est, donc là, au moins, c'est verrouillé. Par contre, le reste après est complètement ouvert, quoi. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus un environnement de stockage que vraiment un ENET. C'est pas un ENET à proprement parler, c'est un support, c'est une aide pour moi pour leur mettre à disposition les documents que je veux qu'ils aient à disposition facilement. Donc il y a ça. On a. Alors, oh, c'est pas dans l'ordre. On a aussi un compte Twitter. Donc ça rentre aussi dans les ceintures de compétences. Il y a le fait de présenter, de publier des travaux qui rentre dedans. Ça permet une ouverture aussi. C'est pas le plus. Comment dire, ouais, c'est pas forcément le plus à propos, mais. Et au niveau des outils qu'ils ont à disposition, on parlait tout à l'heure de voilà quels outils ils ont pour alors apprendre ou plutôt revoir. Il y a beaucoup de QR codes dans ma classe. C'est-à-dire que j'ai des affichages traditionnels qui sont augmentés d'un QR code dessous qui renvoie vers la vidéo. Alors soit une vidéo que j'ai faite moi qui réexplique la notion, voire qui l'explique. Soit des vidéos qui ont été faites par les élèves suite à l'apprentissage de cette notion-là. Et le mieux, c'est là, je suis en train. Au début, je mets moi, puisqu'il faut le temps qu'ils apprennent à faire les fameuses capsules vidéo. Et puis, plus on avance, plus on remplace en ce moment les QR codes par leur vidéo
à eux. Et là, ça peut être intéressant aussi au niveau des ceintures de compétences, parce qu'on a parlé des élèves en difficulté. Il y a aussi ceux qui s'ennuient parce que ça ne va pas assez vite. Il y en a aussi. Et ça peut être tout aussi problématique, parce que là encore, on revient à notre image du départ. Le chimpanzé, c'est sûr qu'à l'arbre, il va y monter en deux secondes. Qu'est-ce qu'il fait après une fois qu'il est en haut? Donc, ces QR codes, et puis aussi dans l'espace de travail, je mets des documents à l'avance avec les leçons. Et rien n'empêche un élève qui est arrivé au bout de ce qu'on avait vu en grammaire, par exemple, qui a envie d'avancer là-dedans, d'aller flasher le code, d'aller voir la vidéo, d'aller récupérer des exercices d'entraînement pour voir s'il a compris dans l'espace de stockage. Et là aussi, on peut faire de la différenciation, c'est dur à dire ce mot, de la différenciation à ce niveau-là pour des élèves qui vont être en avance. Ça permet, je sais que ma collègue s'était pris le chou là, il y a 2 ans avec une maman qui lui disait « Oui, mais moi je voudrais que ma fille elle suive avec les CE2 parce que là elle s'ennuie et en plus elle peut. » Là en fait on élimine complètement ce problème-là, que ce soit dans le sens de suivre plus haut on va dire ou plus en dessous, c'est que chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme, on a la ceinture de son niveau, comme au judo. C'est-à-dire qu'au judo, on est ceinture jaune parce qu'on sait faire tel ou tel truc. Oui. C'est un choix du pays, c'est-à-dire que vous fonctionnez à 4 niveaux, et tout le monde a ce système d'évaluation. Alors, on l'a démarré cette année. La seule question qui est soulevée là, et qui nous pose encore problème, parce que c'est pas merveilleux et pas complètement abouti, on va dire. Enfin si, c'est abouti, mais il y a juste un truc qui pose problème, c'est pour les élèves non lecteurs, et donc le CP. Là, on ne peut pas imaginer ce système-là si les élèves n'ont pas encore appris à lire. Là, ça ne fonctionne pas. Donc on réfléchit pour le moment à mettre ça en place à partir du CP. Je sais que ça se fait, et on cherche un peu des infos là-dessus, mais ça se fait. Et comme on l'a commencé cette année, donc c'est moi qui ai inauguré ça au CE1, CE2, et ça va se poursuivre, on s'est mis d'accord avec les collègues du RPI, ça va se poursuivre sur les autres classes par la suite. Donc là encore, on reprend le collègue qui passe après moi. Voilà. Et l'élève, il retrouve les mêmes repères avec ses fiches, avec son plan de travail pour continuer son boulot là où il s'est arrêté. Ça veut dire qu'en termes de formation, c'est toi qui formes tes collègues, je suppose, que vous avez des temps de formation sur le temps d'animation pédagogique, par exemple, vous demandez la nuit, pour non ? Non, on prend du temps en réunion. C'est l'an dernier quand j'avais mûri mon truc. Au départ, j'étais parti pour le faire sur ma classe, parce que je ne voulais pas imposer quelque chose à mes collègues, une façon de travailler ou des convictions ou quoi que ce soit. Je leur ai quand même dit, ça vous dit qu'on se voit, je voudrais vous montrer comment moi j'ai bossé l'an prochain. Et donc je leur ai montré ça et je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille comme ça, du CE1 jusqu'au CM2, parce que ça serait génial, un outil qui suit vraiment l'élève. Parce que là, on est vraiment sur un vrai outil. Quand on pense, les livrets d'évaluation, moi j'en ai rempli, des livrets tout prêts ou des livrets qu'on a fait, on les remplit, alors on va dire, au mieux, une fois par période. Un peu moins bien, dans certains établissements, c'est une fois par trimestre. Et dans d'autres, c'est une fois par an. Alors moi, il va falloir m'expliquer quand même. Comment on peut remplir un livret de compétences à la fin de l'année en se rappelant de ce qui a été fait au début de l'année, etc., et en étant juste et précis? Ou alors c'est à vue de nez, ou c'est... moi je ne peux pas le faire. J'avais discuté avec une stagiaire quand j'étais maître d'accueil, et en fin d'année elle était dans son école où elle finissait ses stages, et elle me disait, ils m'ont demandé de remplir le livret. Mais elle me dit, mais je peux pas, je sais pas faire. Moi, il faudrait que je ressorte tous les cahiers, tous les machins, mais j'en ai pour des jours à remplir un truc pour un gamin. Je dis, c'est l'écueil du truc. Parce que, du coup, là où on gagne du temps, alors parce que certes, ça demande quand même un gros boulot de préparation et d'organisation, mais moi, je préfère travailler pendant mes vacances où je suis au calme. Par contre, en fin de période, je suis sur les genoux, comme vous tous, je pense. Je suis crevé, et remplir le livret en fin de période, c'est pas le moment où je suis le plus... disponible, on va dire, intellectuellement parlant, pour être précis et juste. Les gamins, ils ont à la fin de leur porte-vue ici. Ça, c'est le portfolio, donc. Des ceintures, à chaque fois qu'ils en ont une,
dans la période, c'est une fiche par période. Ils colorient. Donc on sait exactement ce qui a été, ce qui a avancé dans la période, plus tout ça qui est archivé. On relit tout, on vide après, on remplit pour la période d'après. Moi j'ai juste ça à remplir. Je fais une appréciation, sachant que j'ai toute la progression de la période. Donc je peux voir, j'ai pas juste le final, j'ai vraiment ce qui a été fait pendant la période. Donc je peux apprécier la période, plus voilà, tous les outils de suivi que j'ai derrière, avec bon, ce fameux tableau avec les gommettes. J'ai aussi un fichier Excel où à chaque fois qu'il y a un gamin qui a une ceinture, je me le marque. Donc en ouvrant ma tablette, je peux voir exactement même les tendances de la classe. Si je vois que par exemple sur, je sais pas moi, sur le vocabulaire, ils sont tous sur des ceintures assez basses, je me dis peut-être que j'ai mal organisé ma progression et qu'en vocabulaire, il faudrait peut-être que je pousse un peu plus. Donc il y a plein d'outils de suivi, et puis surtout voilà, dans la période et à la fin de la période, il y a un gain de temps et d'énergie aussi, parce que oui, moi je travaille pour mes élèves aussi, mais j'ai des limites au niveau énergie, au niveau fatigue aussi, et je sais que ce système-là, moi, il me permet d'être plus disponible pendant le temps de classe, et aussi de me dire, je passe moins de temps à remplir des trucs dans lesquels je crois pas, quoi, ou qui me semblent pas justes ou objectifs. Là, c'est tout sur le moment, puisqu'à chaque fois qu'un gamin... Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé de ça. Voilà le truc que j'ai oublié, tiens, qui n'était pas dans la présentation. Comment on valide les fiches? Je ne vous l'ai pas dit, ça. Les fiches ou les compétences? Alors, il y a soit des choses, c'est des compétences orales, et je les évalue sur le moment. Le gamin me dit, je veux être sur ça, et donc c'est à l'oral. Soit c'est un travail sur fiches. En fond de classe, j'ai un bac à corriger et un bac corrigé. Donc, ils me déposent leurs fiches dans le à corriger. Quand j'ai 5 minutes, je corrige, je mets dans le corrigé, il y a un élève qui redistribue. Et en suivant, ils vont aller reporter dans le plan de travail, mais en suivant, et dans le référentiel de ceinture. Ce qui fait qu'on a toujours, à un instant T, on a toujours la mesure juste de ce qui est su. Ce n'est pas quelque chose qu'on va remplir a posteriori, c'est quelque chose vraiment qu'on va remplir sur le moment. Moi, j'ai rien à remplir, c'est eux qui remplissent tout. Alors, il faut quand même avoir un œil dessus, parce que des fois on se trompe de colonne, etc. Donc il faut vérifier, mais on arrive toujours, c'est cette histoire d'équilibre, ça retombe toujours sur ses pattes, en fait, ce dispositif-là. Donc pour finir, le bilan que j'en fais moi, un rapport à l'évaluation et au savoir qui change, moi j'ai l'impression... Enfin, pour vous citer un élève qui m'a dit une phrase en début d'année qui m'a fait sourire. Quand ils font des fiches, je ne dis pas fiche d'évaluation. Je dis soit juste fiche de progrès des fois. C'est dessous, en bas, c'est marqué comme ça, c'est marqué fiche de progrès. Mais je dis rarement évaluation. Et un jour, j'ai ma langue qui a ripé. J'ai dit, tiens, ma chaîne, tu peux redistribuer les fiches d'évaluation, s'il te plaît? J'ai un gamin qui me regarde, qui me dit, mais c'est des évaluations? Et là où je veux en venir, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'être évalués, en fait. C'est ça qui est... Ils ont l'impression ils ont un objectif, ce fameux plan de travail, et ils progressent, et ils avancent, et ils ont l'impression de travailler, et pas forcément d'être évalués. Alors, oui, moi j'ai mis un jugement à la fin sur... Enfin, c'est pas forcément un jugement, c'est plus une appréciation du travail fait. Mais, et ils sont en train de travailler en permanence. Donc c'est assez rigolo à observer, parce qu'il n'y a plus cette cette évaluation-sanction à la fin qui vient, qu'on appréhende. Parce que de un, c'est moi qui choisis quand je veux, c'est moi l'élève qui choisit quand je veux être évalué. Si ça je ne me le sens pas, si ça j'ai l'impression de ne pas avoir compris, je ne le fais pas maintenant. Je suis conscient qu'il faudra que je le passe un jour. Mais je peux reculer l'échéance et essayer d'aller vers quelque chose dans lequel je me sens plus en confiance. Et s'il est dans son plan de travail et qu'il ne se sent pas capable de le passer? Alors, deux options. Au niveau du plan de travail, je vais peut-être remettre la vignette parce que ça sera plus parlant. Au niveau du plan de travail, donc moi, je demande à mes CE1 5 items, à mes CE2 6 items. En bas, il y a le bilan qu'on fait le vendredi avant le nouveau plan de travail, puisque c'est un cycle. Hein. Une fois qu'on a fini, le vendredi midi, tout s'arrête.
En tout début d'après-midi, on fait le bilan. Donc, il y a trois cases ici. Je n'ai pas réalisé ma prévision. J'ai réalisé ma prévision. J'ai fait plus que ce que j'avais prévu. Donc, déjà, on voit en fonction de ça. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont inscrit les 5 items qu'ils les ont fait les 5. Techniquement, ils ont le temps de les faire. Mais encore une fois, chacun son rythme. Il y en a pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Et il y en a qui vont avoir plus de temps que d'autres pour le faire. C'est-à-dire que le plan de travail, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire s'ils ont terminé leur boulot. Par exemple, quand ils ont fini un exercice en avance, ils peuvent très bien prendre de l'avance sur leur plan de travail. Comme ça, après, ils ont du temps pour autre chose. Et des élèves qui sont plus longs à faire certaines tâches, eh ben, ils n'ont pas cette marge-là. Donc, on peut ne pas avoir fini. Dans ce cas-là, j'en discute avec l'élève. C'est-à-dire, pourquoi tu penses que tu n'as pas pu terminer ton plan de travail? Est-ce que c'est parce que tu as mal géré ton temps? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y en avait trop à faire? Donc on essaie de réfléchir à des solutions. Et en bas, il y a mon avis sur mon travail, l'avis du maître et l'avis de mes parents, puisque le plan de travail rentre tous les jours à la maison, dont le vendredi, jour du bilan. Et votre question, c'était s'il a remis dans son plan de travail quelque chose et que finalement il se dit qu'il ne va pas savoir le faire. Je lui dis soit je pense qu'en fait c'est un coup de trouille et qu'en fait je sens qu'il peut le faire, je lui dis, soit je dis écoute, remplace. Tu gommes, je lui demande de le remplir au crayon, tu gommes et tu fais autre chose. Par contre, à partir du moment où ça a été fait, c'est fait. Il faut l'assumer derrière. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est dans le bac à corriger, ça va être corrigé et il y aura une couleur, donc vert, orange ou rouge. Dernière chose que je n'ai pas précisé, sur le porte-vue, vous avez vu qu'il y a 3 colonnes. Pour la validation, il y a 3 essais en fait. C'est-à-dire que toutes les fiches exercices ou les tâches orales sont réalisables. Si c'est raté la première fois, on peut retenter une deuxième, une troisième. Donc ça veut dire que les exercices, quand c'est sur fiche, sont en triple et que c'est pas 3 fois le même, parce que ce serait trop facile sinon. Ça, par contre, dans la masse de boulot de départ, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Et alors, c'est flexible. C'est flexible parce que ça dépendra en fait des élèves. Il y en a qui vont se dégager du temps, qui en auront plus, et d'autres moins. N'empêche que je prévois des plages, on va dire, à vue de nez, 30 minutes par jour. 30 minutes par jour minimum. Normalement, pour faire 5, il y a 5, donc 5 jours fois 5 jours. Bon, ça fait une fiche en 30 minutes. Sachant que c'est généralement les exercices sur fiche sont assez courts, parce que je préfère faire court mais demander un truc impeccable plutôt que de faire un truc super long dans lequel il y aura 36 000 variables pour les raisons pour lesquelles ils peuvent se tromper dedans. Au moins, voilà, c'est pas très long, mais il faut que ce soit précis. Donc voilà, en 30 minutes par jour, généralement ça va. Après, il y en a qui en prennent plus. Sachant aussi que c'est tout à fait possible. Il y a certains gamins qui me finissent leur plan de travail le lundi matin. Ça arrive aussi. Dans ce cas-là, ils ont les plages libérées. Donc, ils peuvent. Soit ils ont des choses facultatives qui se sont mises au programme, comme faire des exposés, réaliser des capsules vidéo. Après, il y a des projets en conseil d'élèves qui peuvent mener à bien, ou lire un livre, ou s'avancer. Voilà. Il y a aussi la possibilité, si le lundi matin ils ont terminé, de rajouter des choses pour gagner du temps pour après aussi. Ça, c'est pas. En enlever, non. En rajouter, oui. En rajouter, oui. Mais après, tout ça, c'est modulable. C'est pareil, si on a un élève qui a des troubles du graphisme et qui écrit très très lentement, pourquoi lui demander 5 items, sachant qu'il ne pourra pas les faire, hein. À la limite, il vaut mieux en demander 4 ou 3 qu'il arrive à faire. Mais bon, voilà, tout ça, c'est assez modulable. Et puis, alors, c'est très pratique aussi, d'un point de vue logistique, parce que quand on a un double niveau, très souvent, quand je suis avec un des niveaux, je mets l'autre en plan de travail. Et ça me permet d'être... Parce que là, quand ils sont sur le plan de travail, ils sont à fond, hein. Ils sont concentrés, ils sont dans leur machin. Et moi, ça me permet d'être vraiment disponible que pour le groupe avec lequel je suis. C'est un des avantages au niveau logistique aussi. Je repars sur ma dernière vignette, du coup. Hop là. Donc, j'étais là. Hop.
vers une vraie pédagogie de cycle. Donc, comme on est dans la continuité, qu'on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, comment on reprend à la nouvelle rentrée, là où on s'est arrêté à la rentrée d'avant, on est vraiment dans une continuité. Et je dis souvent, moi j'aimerais bien, c'est pas possible, mais j'aimerais bien avoir des gamins du CE1 ou CM2. Ça serait juste fantastique, parce que du coup, au niveau tutorat, au niveau entraide, avec des gamins qui maîtrisent un système comme ça depuis 4 ans, pourra avoir des choses assez formidables et des projets qui se mettraient en place qui seraient super. Bon, après, c'est pas du goût de tous mes collègues, donc du coup, je ne pousse pas trop non plus. Mais là où ça pourrait être, encore une fois, un peu injuste, c'est on met un truc en place une année, et puis l'année d'après, on change de site. Déjà, le collègue n'a pas forcément une vision précise de l'état des acquis des gamins. Là, le gamin, il arrive avec son porte-vue. Et en grammaire, en vocabulaire, en numération, en tout ce que vous voulez, on sait exactement où il en est. Et il reprend là où il s'est arrêté. Et c'est quand même... je ne sais pas, la continuité dans ce genre de choses-là, c'est quand même, pour donner des repères à un gamin, quelque chose d'essentiel. Enfin, à mon avis... Donc on arrive vraiment à avoir vraiment une pédagogie de cycle, même si on n'a pas une classe cycle, on peut quand même continuer sur plusieurs classes ou plusieurs sites. Et donc voilà, le cadre et les rails pour s'exprimer et progresser. En fait, tout ça, en gros, ces ceintures, ce plan de travail, c'est une organisation qui leur permet à eux d'être acteurs de ce qu'ils font. Et puis de savoir où aller, parce que leur demander d'être autonome et d'être acteur, c'est bien beau. Mais on peut pas les laisser comme ça en leur disant sois autonome. Ou choisis tes fiches, remplis ton plan de travail. Il faut quand même arriver à leur donner des repères pour qu'ils sachent, je pense que je pourrais me lancer dans ça. Ou ça, je pense que je ne sais pas encore faire. C'est vachement important d'arriver à leur faire... même tout petit comme ça, leur faire prendre conscience qu'eux arrivent à évaluer ça, je pense savoir faire, même s'ils se trompent, mais qu'ils réfléchissent déjà à ça. Je pense savoir faire ou je pense pas savoir faire. Plutôt que d'imposer, entre guillemets, aujourd'hui on fait la séance de découverte, ensuite manip, là maintenant exo et paf, évaluation. Ça va marcher pour beaucoup de gamins. Ça va marcher pour beaucoup de gamins, mais du coup, on les rend un peu passifs. Je sais que dans le second degré, les collègues se plaignent vachement du fait que les gamins sont très passifs et qu'ils attendent beaucoup. Et à mon avis, c'est peut-être à nous voilà, de stimuler cette prise d'initiative, cette prise de contrôle, en fait, cette prise de pouvoir par eux, pour eux. Donc voilà, après c'est... Ouais, voilà. Et je crois que c'est fini. Ah non, le numérique, outils et culture, bon, ça à la limite, c'est pas le plus important. Juste pour finir, si vous voulez un peu de lecture hein, par rapport à ça, donc Fernand Houry, c'est la base, et Sylvain Connac, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La personnalisation des apprentissages », qui est en rapport avec voilà, les plans de travail, les ceintures de compétences. Il a écrit un autre bouquin qui s'appelle Travailler, apprendre avec les classes coopératives, qui parle aussi de plans de travail et de coopération, de collaboration, de conseils d'élèves, etc., qui est vachement intéressant. Et en dessous, c'est mon site internet où vous pouvez retrouver. Je mettrai la présentation en ligne, comme ça, si vous voulez la retélécharger. Et je pense que les gens d'Eidos aussi la mettront en ligne. Puis voilà, il y a des vidéos de la classe, il y a vraiment tout expliqué en détail sur les ceintures de compétences, parce que là, en 50 minutes, c'est pas évident. D'ailleurs, ça fait une heure que je parle. Alors que j'avais dit que c'était vous qui parlez, lié. Ouais, voilà. Ouais, mais bon. On a 5 minutes, si vous voulez, s'il reste des questions, s'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse, si j'ai pas été clair sur certains trucs. Moi, je me suis un peu mélangé les pinceaux quand même, je vous avoue. Sur 2-3 trucs, j'avais oublié de vous expliquer quand même qu'il y avait 3 essais et qu'il y avait un bac à corriger quand même. Et ça, c'est... Ouais. Par contre, quand ils font leurs fiches, du coup, ils ne peuvent pas demander... Enfin,
S'ils réussissent la fiche, ça va valider leur ceinture. Donc ça veut dire... Alors c'est un corpus de, d'items hein, pour valider la ceinture, c'est pas forcément une fiche. Et du coup, on sait pas, en validant leur ceinture, on ne sait pas si ces items, ils les auront fait tout seuls ou avec l'aide de quelqu'un. Alors c'est défini par contre que l'aide, elle est possible et même nécessaire pour tout ce qui est entraînement, etc. Par contre, la seule aide qui est autorisée quand, on, quand il s'agit de, d'évaluation, c'est la reformulation de la consigne par un pair. C'est la seule aide où, à la limite, tiens, regarde, l'affichage, il est ici. C'est tout. Parce que sinon, après, du coup, c'est... Ou alors, s'il y a eu vraiment aide, pour l'instant, je n'ai pas expérimenté, mais ce serait intéressant à voir. On pourrait imaginer que le orange, par exemple, pourrait être « j'ai su faire avec l'aide d'un pair ». Et dans ce cas-là, c'est quand même une certaine forme de validation, mais il va falloir atteindre le vert, le faire tout seul. Donc... Alors, j'essaie de faire en sorte que quand ils choisissent un troisième essai, on soit sûr, enfin sûr, plus ou moins sûr. Sinon, au bout de trois essais, bah, je me débrouille pour en faire un quatrième. En fait, je les prends en APC sur cette notion-là. Ça me permet aussi de gérer mes APC par rapport à ça. Généralement, en APC, je prends s'il y a eu vraiment... Genre quand on en est au deuxième essai rouge, par exemple, ou que le troisième essai est encore orange, je vais prendre là-dessus et du coup j'identifie la notion vraiment à travailler de façon très très précise. Donc ça permet ça. Mais j'essaie autant que faire se peut, quand ils viennent, parce qu'ils me mettent un petit 1, 2 ou 3 quand ils font le plan de travail, je passe toujours quand même regarder. Des fois je donne un avis, mais après j'impose jamais rien quand ils ont le degré d'autonomie suffisant. Je n'impose rien puisque la règle c'est ça, la règle c'est tu choisis toi. Mais je peux quand même donner un avis, et s'ils viennent me voir avec un voilà, petit 3, je lui dis t'es sûr de ton coup là, tu voyons, dis-moi un peu de quoi ça parle ça. Et je tâte un peu le terrain quand même pour essayer de... Après, il faut aussi, c'est intéressant de les laisser se tromper. J'ai un très bon retour des familles de ce système-là, me disant que les élèves sont beaucoup moins stressés. Et qu'en plus ça les motive parce qu'ils rentrent à la maison, ouais j'ai eu ma ceinture jaune, hein, je sais pas quoi, et du coup ils veulent avancer, il y a un goût pour apprendre. Par contre j'ai une ou deux familles qui comprennent sans comprendre, c'est-à-dire que oui on a le droit de se tromper, il y a trois essais, c'est super, par contre tu me réussis du premier coup le verre, hein. Donc voilà, il y a encore un peu de travail sur les mentalités là-dessus. Mais bon, moi c'est surtout venant des élèves que eux ils l'ont compris. Eux ils l'ont compris, donc j'essaie de que ce soit eux en priorité. Ils ont tous adhéré à l'idée, il n'y a pas une pingue qui est dans l'évitement, qui ne remplit jamais son contrat. Non. Il y en a qui bossent plus ou moins vite, mais disons qu'en fait, j'aime bien citer ce film Spider-Man, hautement philosophique, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non mais l'air de rien cette phrase, quand ils gagnent des ceintures, ils gagnent en responsabilité aussi. Et ça ils ont envie quand même, ils ont envie parce que bah, du coup il y a un sentiment d'importance et puis ils amènent leur pierre à l'édifice. Moi j'essaie de construire une micro-société dans ma classe où je ne suis pas le maître absolu, le monarque qui régente tout. J'essaie de faire en sorte, mais encore une fois pour permettre ça, il faut leur donner des rails à eux pour qu'ils aient des repères, savoir comment réagir face à telle ou telle situation. Voilà, il faut ce cadre-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la pédagogie institutionnelle. C'est parce qu'il y a une institution. Il y a des repères partout, il y a une réponse à toutes les questions. Et si on ne la trouve pas, la réponse, on a toujours quelqu'un à qui demander. Des fois, c'est le maître, des fois, c'est juste le copain. Mais on peut savoir à qui demander aussi, parce qu'on a ce référentiel affiché au tableau, on sait que lui, il sait. On peut l'identifier, celui qui sait, donc on va aller lui demander. Et ça sécurise certains gamins aussi, qui n'osent pas forcément me demander à moi, bien que n'étant pas un tyran, parlant assez doucement, je lève rarement la voix. Mais il y a des gamins qui sont toujours un peu impressionnés par le maître ou la maîtresse, et c'est plus facile d'aller demander à un copain. Sachant qu'en plus, je suis sûr qu'il sait faire, il ne va pas me dire de bêtises, puisque je l'ai vu, il l'a eu sa ceinture, lui. Donc, ça décentre le maître un peu de ce rôle
grand gourou ou petit gourou. Enfin, voilà. Et d'être affiché, si un enfant n'arrive pas, c'est pas un peu. Les échecs ne sont pas affichés. Ouais. Oui, mais s'il reste aux ceintures basses, s'il reste à un niveau blanc-jaune ou jaune, alors que les autres avancent. Bah, généralement, le but du jeu, ils avancent tous. Ils avancent tous, mais c'est ce qu'on disait au départ, ils n'avancent pas tous à la même vitesse. Après, c'est intéressant d'en parler avec eux aussi, avec des petits ateliers philo, le fait d'accepter que on va pas tous à la même vitesse. Mais généralement, ils ont tous quand même, ils arrivent à trouver quelque chose. Vous prenez l'exemple de la poésie, chez une petite qui est vraiment en grosse difficulté, n'empêche qu'elle est ceinture orange-verte en poésie, et qu'elle est au-dessus de tout le monde là-dessus. Donc elle a quand même, elle a de la réussite, parce que voilà, on sait tous faire un truc. Ça n'existe pas quelqu'un qui sait rien faire. C'est pas possible. Donc en plus, ce système, il a le mérite de pointer des aptitudes particulières de certains élèves qui sont peut-être pas forcément reconnus parce que français maths il a 5 de moyenne etc machin, je mets pas de notes, mais il y a des classes où c'est le cas même au CP, et voilà, l'élève il identifie en fait par ses réussites, parce que ce qu'on voit en premier c'est pas la gommette, la demi-gommette jaune, ce qu'on voit en premier c'est ce qui est orange ou vert, quoi, parce que là à cette période de l'année ça commence à émerger. Et donc les gamins, ils savent que elle est la chose par laquelle elle est identifiée, c'est sa ceinture en poésie, quoi. Elle est référente là-dessus. Voilà. Ça aide à la tolérance, tout ça, quoi. Si j'ai bien compris, tu as fait au moins 3 évaluations par présence. Oui. Et après, par contre, les ceintures en elles-mêmes, elles existent. C'est moi qui les ai faites. Alors j'ai fait. On a bossé. En fait, on a travaillé à plusieurs. Alors pas avec mes collègues du RPI, mais on a travaillé sur Internet. On s'est mis à 15 dessus quand même. Alors on a fait le choix de pas les publier. Par contre, à la limite, si tu me contactes par mail via le. Ah oui, non mais je peux t'envoyer un exemple. Mais en fait, on a fait le choix de ne pas les mettre en publication libre, disons, pas parce qu'on veut garder ça pour nous, mais parce que c'est la première année où on le fait et que c'est un peu une version bêta, on va dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de préciser qu'on n'est pas obligé de se lancer dans 5 ou 6 ceintures différentes. Non. Faire une ceinture pour une seule ceinture, ouais. Pour démarrer. Oui. C'est mon côté un peu impatient, j'ai voulu faire tout d'un coup. Mais non, mais on peut tout à fait commencer juste, par exemple, avec du calcul mental. Faire des. Il y a production d'écrit, il y a tout. Il y a tous les domaines. Et en maths, pareil. Mais parce que je suis un peu monomaniaque, en fait. Mais on peut très bien commencer par des trucs tout simples comme le calcul mental, par exemple, se faire une échelle de calcul mental, et en plus, du coup, ça. Et chaque année, on rajoute. On rajoute chaque année un domaine, et puis petit à petit, on se fait son référentiel. Ça peut être. C'est une solution tout à fait viable. Mais là, voilà, disons qu'on est en train de. Là, on a même déjà pointé des petites incohérences. Parce que la grosse difficulté dans la conception du référentiel, c'est la progression. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il y ait une logique dans cette progression-là et qu'on progresse en complexité. Voilà. Et puis sur 4 ans, c'est-à-dire arriver au CM2, fin CM2, s'il y a des choses qui ne sont pas acquises. Alors le but, quand même, il faut bien garder en tête que le but du jeu n'est pas. Alors parce que ça commence à la ceinture blanche, ça finit à la ceinture rouge. Le but du jeu n'est pas qu'un élève arrive en fin de CM2 avec tout en rouge. Hein. Avec toutes les ceintures rouges. Hein. Le rouge est le meilleur. Oui, c'est ça. Oui, c'est le meilleur. C'est pour ça, c'est ce que je disais au début, ça sanctionne un degré de compétence. C'est pas là pour amener à quelque chose, c'est pour faire un état des lieux, pour faire un constat. Pour faire un constat et pour s'appuyer dessus. Pour faire fonctionner toute la classe et pour qu'il y ait les apprentissages entre pairs.